Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce numéro de votre magazine, le Bénin Vue 2. Et le Bénin Vue 2, cette fois-ci, le Bénin Vue 2 Soava. Nous vous emmenons en immersion dans la commune de Soava. Et oui, notre tournée nous amène cette fois dans l'une des communes du Bénin qui font plus parler d'elle grâce à le trésor et histoire. Bienvenue dans la commune qui fait rayonner le tourisme béninois à travers le monde. Bienvenue à Soava, la célèbre cité des Tofinou, chef de file des localités pourvoyeuses de ressources halieutiques. Son nom de l'association Sceau, le nom de l'une des rivières de Ava, mot désignant les personnes qui mènent des activités autour de cette rivière. Soava a une histoire comme tout pays, toute commune et tout village. C'est la guerre qui pourchassait nos aïeux depuis Adiatado. Ils ont pris par plusieurs terres, Godomé, Calavi et autres, jusqu'à ce qu'il ne s'installe ici. Lorsque la guerre d'Adiatado a renvoyé les aïeux qui ont choisi de rester à Soava, ils ont vu une lagune. Vous avez constaté qu'en venant ici, il y a une lagune. Vous devez prendre absolument une pirogue avant de traverser. Donc cette rivière, cette fleuve-là, parce que ça siffle, il l'a appelé Sceau. Sceau, ça dit les villages qui sont au bord de ce petit fleuve-là, dans le temps. Ça s'est élargi maintenant, ça est devenu grand. Ben, Ava, ça veut dire que c'était Awa au départ, un branchement de la rivière Sceau. Sceau signe Awa. Mais dans les colons, on transforme ça en Ava, c'est ça que ça devient Sceau Ava. Donc sinon, au début, c'était Sceau à Awa. Quand nous étions à l'école ici, on écrivait Sceau à Awa. C'est-à-dire en branchement. Le branchement de Sceau. Aujourd'hui, les colons ont mis Ava, 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 parce qu'on ne pouvait pas prononcer Awa. Et c'est ça qui a fait que nous sommes devenus Sceau Ava aujourd'hui. Les origines de son peuplement remontent à la période précoloniale, fuyant les guerres intertribales et les attaques esclavagistes des royaumes d'Abomey et d'Oyo au XVIIe siècle. Les Tofinou, qui en sont les premiers habitants, se seraient installés dans un premier temps sur le plateau d'Alada avant de rejoindre plus tard le bassin versant des plateaux de Louémé dont les eaux sont drainées vers le lac Nokwe. La commune dispose ainsi d'un réseau hydrographique très important qui recouvre près de la moitié de son territoire. La mise en place des principaux groupes socioculturels qui en constituent la population s'est faite progressivement par des vagues de migrants provenant du sud-ouest. On y retrouve aujourd'hui dans une très grande majorité, les Tofinou, les Gou, les Fon, les Yoruba, puis les Adia, tandis que les Bariba et les Dindi, les Peul, les Otamari et autres y sont représentés dans une proportion relativement moindre. Située à environ 16 km de Cotonou, la commune de Soava est limitée au nord par les communes de Zé, Dangbo et Adjourou. Au sud par la commune de Cotonou, à l'est par la commune lacustre des Agégué et à l'ouest par la commune d'Abomey-Calavi. La commune de Soava est située au nord de la commune de Cotonou, c'est-à-dire le littoral. À l'est de la commune de Calavi. Il est limité à l'est
par la commune des Agégué et la lagune de Porto Novo. Au nord, elle est limitée par la commune de Zé et de Adjoum. Donc, il débouche directement sur le lac Onokwe, le plus grand lac du Bénin. Souava, d'abord, est une commune entièrement. La grande partie est située sur l'eau. C'est une commune dont les populations vivent sur l'eau. Ces habitations sont construites sur pilotis. Imaginez, quand on dit construite sur pilotis, ça doit être nécessairement sur l'eau. Je prends le cas de Ganvier. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Souava, s'il a l'idée de la cité lagueuse de Ganvier, ça veut dire qu'il connaît déjà Ganvier, il connaît déjà Souava. D'après les informations issues du recensement général de la population et de l'habitat de 2013, les 69 villages et quartiers de ville qu'elle compte sont occupés par 118 547 habitants répartis au sein de ces 7 arrondissements que sont Souava, Aomelopo, Dekamé, Ganvier 1, Ganvier 2, Kwedo à Gekon. Et Veki, sa superficie est de 218 km². La population de Souava compte essentiellement 3,02% de chrétiens célestes, 29,7% de catholiques, 10,4% de protestants méthodistes, 8% d'autres religions chrétiennes, 6,1% de participants de l'islam et de 4,5% de religions endogènes. Sur le plan national, nous sommes de l'ère culturelle à Iso. Comme nos ancêtres sont venus de Adjatado, nous avons les différents vaudous. Je veux parler de Sakwata qui existe à Ganvier, de Dan qui existe à Ganvier, à Souava aussi. Et je veux parler de Anago Vodou. Ça, c'est importé du Nigeria, l'Anago Vodou. Aussi, nous avons aussi les religions importées. Je veux parler du christianisme et de musulmans. Comme au Bénin, généralement, Souava aussi n'est pas épargné. Le christianisme, comme partout au Bénin, on le sait, c'est une religion importée. Mais l'église, c'est-à-dire le christianisme qui domine, c'est-à-dire l'église qui domine ici, c'est le christianisme céleste. C'est l'église du christianisme céleste de Papa Oshofa. Oui, c'est ça qui domine. Mais les chrétiens catholiques aussi sont présents, les églises évangéliques aussi, les protestants aussi sont aussi présents. Pour une commune dont la majorité de la population vit sur l'eau, la pêche est la vedette d'une panoplie d'activités, un art qui se mène sur l'eau et qui génère des ressources halieutiques qui font le tour de plus en plus de grands nombres de marchés au Bénin. Les arrondissements dans lesquels l'eau est moins présente, comme Aomé, se spécialisent dans l'agriculture et la chasse. L'activité de notre temps, oui, Toji. Toji, Akajadoudou. Notre activité principale, c'est la pêche. Nous l'avons héritée de nos aïeux. Le lancer de filet, la technique d'Akadja et autres. Nous cultivons également la terre. Par exemple, il y a des gavi. À Ganvier, par exemple, c'est la pêche qui est plus pratiquée. Mais dans les localités comme Aomé et environ, l'agriculture prime sur toutes les autres activités. Ce sont ces produits que nous exportons à Tokpa et dans d'autres marchés. Que ce soit le manioc, la tomate, la patate douce et autres, c'est les agriculteurs de Souava qui les produisent et les exportent. Et Souava, les habitants de Foku et la pêche, c'est progressivement que l'agriculture s'est installée, l'élevage et puis le commerce. Sinon au départ, c'était la chasse et la pêche. Donc aujourd'hui maintenant, il y a toutes les activités que les gens mènent sur ces fermes qui se mènent à Souava. Aujourd'hui, vous allez remarquer sur nos marchés, dans Tokpa et consorts, que les légumes qui arrivent à Cotonou, c'est Souava qui les produit. Vous allez remarquer les poissons qu'on vend
à Calavi, soit à Cassado, partout là, Cotonou, c'est soit Ava qui produit ça. Aussi, la patate douce, la meilleure qualité, c'est soit Ava qui produit. La meilleure qualité de la patate douce. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils font. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas que la pêche, il y a aussi l'agriculture qui constitue une activité de relais pour que la population survive. Souava est une cité pittoresque, attrayante et dotée d'une hospitalité légendaire parce que ici... Quand quelqu'un mange et que tu viens le voir, il n'a pas besoin de t'inviter pour manger avant que tu le manges avec lui. Si quelqu'un va à la pêche et qu'il sait que son voisin ne va pas partir à la pêche, le poisson qu'il aura attrapé là-bas, il prend une part qu'il laisse à son voisin qui n'a pas été à la pêche. Donc la solidarité était si exigeante que beaucoup ont envie de vivre à Souava. Ça fait que nos visiteurs, quand ils viennent une fois, vraiment, ils reviennent toujours parce qu'ils savent qu'ici, quelque chose de beau, quelque chose de social se fait. Mais Souava, tous les ressortissants de Souava sont unis. C'est pourquoi notre culture est authentique. Quand on prend, par exemple, la tournée gouvernementale récente, Souava est en tête selon les tendances, parce que nous travaillons main dans la main. Nous primons sur l'harmonie et notre sens d'empathie. Nous réglons toujours nos différends entre nous en paix pour le développement de notre commune. Aller à Souava, c'est découvrir également de très bons mets, dont la plupart a pour élément principal le poisson. Souava a plusieurs mets traditionnels. Je prends l'exemple de Clacou. On appelle ici le goli. Et encore un autre qu'on appelle goli Wongpa. C'est des mets qui sont propres à la commune de Souava. S'agissant des mets de la sauce, il y a le dakouin, donc que tout le monde a l'habitude de manger. Il y a aussi une manière, quand on ne voudra pas préparer sur le feu très rapidement la pêche, après avoir fumé le poisson d'une manière là, on appelle ça flou-flou. On écrase un peu le piment ou bien on découpe les ingrédients, la tomate, l'oignon, l'ail, tout cela. Et puis, on met du poisson dedans et puis on presse ça. C'est ça que nous appelons immédiatement. Vous mangez bien, il n'y a pas de problème. C'est des mets qui sont propres à la commune de Souava. Nous sommes très attachés aux mets que nous ont laissés nos aïeux. Ils les prenaient avant de se rendre à la pêche. Le clacou fait partie de la longue liste. C'est une galette que nous consommons beaucoup dans notre commune, que ce soit le rouge ou le blanc. C'est fait à base du manioc, du maïs et de l'huile rouge. C'est répandu dans la commune, surtout à Ganvier. Ce sont ces activités qui nous ont fait. Nos parents nous ont entretenus avec ces revenus. Le clacou se mange avec du poisson, de la banane ou encore du coco. Mais le clacou rouge est plus agréable avec du coco. Ça intéresse beaucoup les Blancs. Ils en raffolent. J'ai par exemple une autorité municipale en France à Paris qui en commande régulièrement et à qui j'envoie. Quand vous venez à Souava, vous avez le clacou, vous allez prendre pour rentrer. En principe, nous devons... Quelqu'un qui vient ici doit sortir avec du poisson. Quand tu viens en soi, en principe, quand tu viens en soi, tu dois repartir avec du poisson. Aujourd'hui, les poissons aussi se font rares. Donc ça fait que Kalakou est aujourd'hui ce qui nous rassemble encore. Et c'est ça que nous mangeons, avec la banane, avec du poisson. Avez-vous déjà entendu parler de la Venise de l'Afrique? Eh bien, c'est ici. Faisons une immersion à Ganvier, une cité lacustre du sud du Bénin, située sur le lac Nokoué, au nord de la métropole de Cotonou. Et nous sommes avec un guide touristique et en même temps une autorité communale. Il s'agit de monsieur Valet Souret. C'est avec lui que tout va se passer. On y va.
Nous sommes ici à l'entrée de la cité lacustre de Ganvier. Où à l'entrée, nous avons une auberge où vous êtes bien accueillis. Vous avez les bonnes dames autour de vous. Vous avez les cases sur pilotis. Et c'est avec Valet Souhet, notre guide, que nous ferons notre promenade. Commençons par la route des pêcheurs. Nous sommes actuellement sur la route des pêcheurs. La route des pêcheurs. C'est par ici que prennent presque tous les pêcheurs qui vont à la pêche tous les matins. Tous les matins, en allant vers de 4 heures du matin à 7 heures, tous les pêcheurs prennent par ici. Un trajet principal des pêcheurs qui mène vers des marchés flottants animés entre 3 heures et 7 heures du matin. Les pêcheurs se restaurent ici très tôt le matin en allant à la pêche. Les pirogues constituent des baraques pour les dames qui animent ce marché. Achat et vente de divers produits vivriers, tous les échanges se font sur ces différents marchés flottants. Légumes, mais aussi vêtements et même du bois, on trouve de tout au marché de Ganvier. Soucieux du poids du tourisme dans l'économie de Ganvier, le gouvernement du président Patrice Talon dote l'arrondissement de plusieurs joyaux, dont les hangars dans ce marché flottant et des installations pour l'alimentation en énergie électrique. Ganvier sera donc bientôt électrifié. Très fascinante, la cité n'a rien à envier aux grandes villes. Elle dispose des restaurants, des auberges, des hôpitaux, des églises et mosquées, des écoles, des marchés et bien d'autres. La guerre depuis Adiatado, les aïeux de Soava ont résidé ici au XVIIe siècle pendant longtemps. La majeure partie a rendu l'âme ici, d'où la sacralité de ce lieu. Il est appelé Sindomé, un lieu sacré qui abrite jusqu'à nos jours des divinités. C'est également ici le cimetière de Ganvier. Tous les morts y sont enterrés. Quand les aïeux, nos ancêtres ont quitté là, c'est devenu un lieu inhabitable. Et puis quand c'est devenu un lieu habitable, les arbres sont commencés à pousser. Mais là, bon, les aïeux, on ne sait pas comment ça s'est passé, ils ont consacré ça comme un lieu sacré. C'est ainsi que les grands vaudous, leur grande divinité, tout le siège, c'est là. Et c'est là aussi qui abrite nos morts. La sacralité de Ganvier ne se limite pas uniquement aux esprits. Des sentiments réels ne sont pas banalisés. Pour rencontrer son âme sœur, il faut se rendre habituellement à un endroit unique. La route des amoureux. Ici, cette voie, cette rue-là, c'est une rue sacrée en matière d'amour. Depuis la naissance de
de ce village Ganvier. Et puis, et toutes les décisions en matière d'amour se prennent ici. Ce n'est pas mon temps, c'est au temps de nos aïeux. Les vraies choses sérieuses en matière d'amour se décident sur cette voie-là. À partir de 19h jusqu'à X heures. C'est ça. Si tu as besoin de femmes, de filles, en tout cas en matière d'amour, là, tes décisions doivent être prises sur cette voie-là. À Ganvier, le bien-être des populations est assuré. De l'eau potable n'en manque pas. Dans l'arrondissement de Ganvier 2, par exemple, les populations s'approvisionnent en eau potable à l'embarcadère de Kendi. Ganvier, malgré son attraction, est menacé par un danger, un sérieux problème qui, heureusement, se transforme en opportunité. Les jacinthes d'eau qui ravagent le lac et empêchent la circulation. Vous voyez, les jacinthes d'eau, à l'approche de la crue, de la montée des eaux, il y a les jacinthes d'eau qui essaient de nous perturber un peu. Heureusement, une solution est trouvée pour remédier à cette complication. Le programme Réinventer Ganvier à travers le projet Route de la Jacinthe d'eau qui constitue à valoriser la Jacinthe d'eau. Problème transformé en solution. Notre promenade nous amène sur ce site qui abrite plusieurs femmes qui se font former en transformation des jacinthes d'eau en objets d'art, sacs, chaussures, chapeaux, objets de décoration et bien d'autres. Programme qui a pour objectif principal créer de l'auto-emploi pour les femmes et les jeunes de Ganvier. Dans le projet Route de la Jacinthe, on a initié des formations pour valoriser la Jacinthe, notamment des formations en vannerie, en compost. Puisque la Jacinthe, comme solution, on a trouvé qu'on peut la valoriser en vannerie et compost. Donc, c'est en vannerie, les femmes transforment la Jacinthe, les fibres séchées de Jacinthe, en chapeaux, sacs, chaussures, porte-clés, bracelets et autres qu'elles peuvent vendre pour les touristes comme ceux de la localité pour pouvoir obtenir des revenus financiers pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous transformons les jacinthes d'eau, vu qu'elles empêchent la circulation sur le lac. Nous avons trouvé le moyen de les transformer en plusieurs articles comme le sac et autres que nous commercialisons. Ça contribue au développement de la commune. Nous organisons plusieurs formations chaque année pour les jeunes filles et femmes. Nous sommes actuellement en formation et nous en avons pour 3 mois avant de finir. Après leur formation, celles qui prennent part ici se créent leurs propres activités en transformation de la jacinthe d'eau. Même ici sur le lieu de la formation, nous les vendons à ceux qui sont intéressés. Mais nous sollicitons le gouvernement à nous aider à mieux écouler nos articles. Les touristes viennent s'en procurer. C'est une activité que les revendeurs ont fini par adopter aussi. Ils viennent faire des commandes et nous leur produisons ça en quantité. Nous leur revoyons le prix de vente afin de leur permettre d'avoir également des bénéfices sur leur vente. Un processus est mis en place par le programme pour que la jacinthe d'eau fraîche soit transformée en compost que les producteurs agricoles pourraient utiliser comme engrais naturel. Bernadette Koussoumido évoque au nom du groupement quelques doléances à l'endroit du gouvernement. Nous avons assez de difficultés dans le travail. Nous nous nourrissons nous-mêmes tout au long de la formation. Nous travaillons parfois l'estomac vide toute une journée. C'est pourquoi nous avons réduit la durée des formations à 3 fois le mois. Nous sollicitons également
Le gouvernement a nous aidé à avoir des magasins de stockage et d'exposition pour nos différents articles et même pour les composts transformés. Nous n'avons pas assez de pirogues non plus pour nous procurer de la matière première sur le lac. Ça nous amène désormais à payer les jacinthes d'eau. Une pirogue nous revient à 6 000 francs. Voyez-vous-même comment c'est difficile. Ça, par exemple, c'est un sac que nous avons démarré. C'est petit à petit que ça va prendre la forme et la finition suivra. Nous allons ensuite passer à la décoration, poser la fermeture afin que ça devienne un sac prêt à utiliser. Mais c'est difficile. Nous sommes souvent exposés aux piqûres d'aiguilles. Il paraît qu'il y a une machine qui pourrait nous faciliter la tâche, mais nous n'avons pas les moyens pour nous la procurer. Nous implorons la clémence du gouvernement. Veuillez transmettre au président de la République nos cris. Les places publiques, ce n'est pas ce qui manque à Ganvier. Nous sommes ici sur l'une, toujours en chantier. L'un des sites touristiques de Ganvier 2, vous avez à côté l'inventeur du principal tam-tam, c'est-à-dire une musique traditionnelle de Ganvier 2 qu'on appelle Agahoun. Agahoun, vous avez l'innovateur, c'est-à-dire celui qui l'a inventé, vous avez lui-même en action sur le tam-tam. Vous avez, c'est en chantier. La place publique est actuellement en chantier. Et c'est cette place-là qui abrite le palais royal de Ganvier, qui est derrière nous, et qui est en chantier. Vous percevez les ouvriers. Je ne sais pas si vous percevez les ouvriers. Nous allons quitter ici pour rejoindre la place Agbodogwe. Agbodogwe, c'est l'arrière-fils du fondateur du royaume de Ganvier. Le fondateur, c'est Adjaïn Fendé. C'est Adjaïn Fendé qui a donné naissance à Sosou. Sosou qui a donné naissance à Agbodogwe que vous voyez derrière moi. Nous sommes ici sur la place principale de Ganvier même. Et c'est la place de Dakomé. Ça abrite vraiment des manifestations traditionnelles. Vous avez les cases, de nouvelles cases et choses en construction. Et c'est dans le projet Ganvier réinventé. Vous avez les cases qui abritent les Ahovi, c'est-à-dire les jumeaux, les Torosu. Les Torosu, vous avez la place de Hevioso aussi, là où les Hevioso viennent manger, les Ahovi viennent s'approvisionner un peu partout. C'est en rénovation et c'est un projet de Ganvier réinventé. L'arrivée du christianisme n'a pas empêché la préservation des religions endogènes. À Ganvier, le Hevioso est l'une des divinités les plus adorées. Hevioso, c'est une divinité vraiment que nous adorons ici. Et Hevioso, c'est l'une des divinités généralement pour le Bénin, mais principalement à Ganvier. Ganvier adore plus le Hevioso, parce que c'est Hevioso qui veille surtout sur les mauvais esprits et surtout sur les femmes adultères. Quand une femme commet adultère là, vraiment, et que tu ne veux pas avouer là, le Hevioso t'attaque. Et s'il y a de mauvais gris-gris, des gens de mauvaises intentions qui veulent faire du mal à Chosa, à leur prochain, le Hevioso t'attaque automatiquement. Ça, il n'y a pas de Chosa. C'est pourquoi on a érigé son statut ici. Les gens viennent adorer ça ici. Le Tofiwe en constitue la fête identitaire. Elle réunit chaque année tous les filles et fils de la commune de Soava autour de diverses manifestations culturelles et culturelles. La 7e édition de cette fête se fera le 9, et le 10 et le 11, le mois d'août. Ce mois qui a commencé aujourd'hui, 9, 10, 11, tous les fils
et les filles de Sova, où ils se trouvent, au Bénin ou ailleurs, au Nigeria, Gabon, vont revenir au Bercail pour célébrer cette fête identitaire qui est parmi tant d'autres, vraiment la fête la mieux organisée, à mon avis. Parce que j'ai la chance de vivre de la autre fête. Sova groue tellement de monde qu'on se demande que c'est des poissons qui sont transformés en hommes ou que c'est quoi. Donc tous ceux qui pratiquent, tous ceux qui sont toffins, savent que le 9, le 10 et le 11, notre fête identitaire aura lieu. À cette occasion, le dakouin, vedette des mets locaux qui est fait à base de poissons et de gari, est présent dans presque tous les siècles pendant que la culture des valeurs de fraternité se conjugue avec les échanges autour du développement. Ah, il a tout un gamme de programmes parce que dès vendredi, il aura retrait de flambeau. Vendredi, samedi, il aura lancement de filets, il aura course de pirogue, il aura la nage. Toutes les activités nautiques seront au rendez-vous le jour, le samedi. Et le coup de samedi soir, ça doit être la finale du football. Parce que nous avons organisé un tournoi inter-arrondissement. Et nous avons deux équipes qui sont finalistes. Donc ces équipes-là, ils vont jouer le samedi. Et le dimanche, il y aura la messe. Après la messe, nous allons présenter des balais toffins. Nos cultures seront encore au rendez-vous parce que nous avons invité pas mal de personnes. Ils vont vivre avec nous ce que nous produisons comme culture. Après la messe, il y aura notre zindo traditionnel. Et après ça, maintenant, la fête va commencer. Et ça va durer jusqu'à tard dimanche soir parce que c'est du tao tao. Les rythmes traditionnels qui y dominent sont entre autres le gbon, le oyo, le masegoun, et bien d'autres. Les pêcheurs sont de bons danseurs. La seule activité qu'ils ont, à part la pêche, c'est la danse. Le masegoun est le rythme qui nous identifie plus. Mais la jeunesse innove également avec la musique moderne. Mais nos aïeux nous ont légué les rythmes comme le masegoun, le etéon et autres qui disparaissent peu à peu de nos jours. On a beaucoup de rythmes traditionnels. Il va le masegoun, asoava, panoubé des femmes, mila, ayo, tout ça là. Donc tous les rythmes du bas Bénin là, tous ces rythmes-là sont présents à Sova. Bossou les Triki, Adjaroui et autres m'ont dédicacé des chansons qui font toujours parler d'elles. Les paroles des chansons s'exaucent parfois. C'est pourquoi on dit que l'artiste ne meurt jamais. Ses paroles demeurent toujours, même après sa mort. Nous aimons la joie de vivre à Sova, surtout moi en particulier. Tam Tam au clair de lune, aujourd'hui ça a disparu, mais dans le temps. Mais les rythmes persistent et chaque fois, entre la manifestation, il y a des gens qui esquissent, c'est pas les danses, ce sont du Tam Tam. Et je crois que c'est notre culture et nous sommes attachés à ça. Et ça nous rassemble. Pour envoyer le message de bienvenue dans l'eau aux étrangers, une danse spécifique se pratique. Achi. Oh,
c'est un groupe de folklorique qui se met dans une pirogue avec leur pagaie. Et ça se fait accompagné du rythme pour accueillir des étrangers. La construction de la route qui mène d'Akasato à Soava est l'un des chantiers importants du PAG dans la commune de Soava. Soava, la commune dirigée depuis le début de la quatrième mandature par le maire Viwanu Jean-Major Zanou, est actuellement sous le contrôle du maire André Oussou-Todje. Nous avons reçu la délégation du gouvernement dans le cadre de la tournée gouvernementale dans les arrondissements. Les populations nous ont dit leurs préoccupations, ce qu'elles veulent, surtout la réalisation de la voie à Kassato-Soava, l'électrification, la disponibilité de l'eau potable dans nos villages, les problèmes de la pêche et de l'agriculture, la santé, l'éducation. Je prends l'engagement ici devant vous tous et au nom des élus communaux que ce qui est du ressort du conseil communal, ça va être fait. Mais les grands projets comme l'électrification, la route, l'eau, etc. sont confiés au gouvernement et nous allons suivre ça de près puisque les membres de la délégation gouvernementale qui sont venus ici, ils ont enregistré toutes nos doléances. Nous allons les suivre pour que ces réalisations soient faites pour le bonheur de nous tous. On ne peut pas bâtir Paris en un seul jour. Donc je crois que celui qui est venu ici, il a 60 ans, va voir qu'aujourd'hui, après 64 ans maintenant, que vraiment ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Vous êtes venu à Soava. Mais vous ne saurez pas que vous êtes venu sur l'eau. Je crois qu'il a la terre ferme, il a le pavé, tout comme ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vraiment très bon. Ce n'est pas encore très mal. Donc nous exhortons les gens à la patience et que le pays sera beau d'ici à là. Patrick Tarro, Mahou Essaidou, Mouyé. Le président Talon nous a été envoyé par Dieu pour développer le Bénin et il le fait même dans la commune de Soava. Il a promis réinventer Ganvier et il le fait. Et maintenant, il y a un Ganvier. Que ce soit la fourniture, en eau potable, en électricité et bien d'autres. Même la première dame a un projet de construction de maternité à Gambier. J'ai signé en personne les papiers du domaine qui abritera ce jaou. Je ne l'ai pas fait en tant que CA, mais plutôt qu'en tant qu'un citoyen qui aime son pays et surtout sa commune. Parlant de Gambie, nous sommes des autochtones et il en sera ainsi. Donc, je l'ai fait à cœur ouvert. Il s'agit des hectares et même le domaine qui va abriter le CEG, c'est mon territoire. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de venir à Soava. Il y a plusieurs issues. Vous avez le choix entre l'embarcadère de Calavi et la voie d'Akasato. C'est pour cette raison que les citoyens réclament la construction de la voie à Kassato-Soava. Mais les travaux sont déjà en cours. Ils avaient connu une interruption, mais ça a repris. Nous n'attendons que la livraison de la voie à Kassato-Soava, ajoutée à toutes les autres œuvres que font le président de la République. C'est chez moi.
Les travaux qui s'effectuent dans la zone au vendeur Ganvier, c'est chez moi. Et je contribue du mieux que je peux. C'est chez moi. Ne besoin pas, ne monte pas dans les pots quand vous y êtes. Et voilà, je capte, et bah, il va monter chez nous, c'est caca et gavi. Donc, demain après, moi, je dis aussi d'aller voir de l'un de ma débourrant soit Pablo. Souava est davantage au cœur de la mise en œuvre du volet tourisme du PAG à travers l'investissement pharaonique consenti par le gouvernement du président Patrice Talon, dont la vision est de faire de Ganvier un véritable joyau touristique, le meilleur village lacustre au monde. Mais en plus du village lacustre de Ganvier, la commune de Souava, qui figure au rang des sites dont le potentiel touristique est reconnu et classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO, est aussi riche en ses vestiges coloniaux et de ses anciens champs de tir érigés à Dekamé, à Ganvier et à Gbessou, de ses parcs naturels communautaires dans les localités de Dekamé et de Awomelopo. Le gouvernement nous n'avons qu'à prier pour le président et l'encourager à faire davantage. Il aime l'esthétique, il connaît le sens de la gestion de pays. Nous lui demandons de toujours penser à Souava. La tournée gouvernementale récente, par exemple, a pris fin chez moi. Aucun chef d'État n'a pas encore traversé le lac pour nous visiter, mais lui, il a fait. Pour tous ceux qui nous suivent au Bénin, quoi de sérieux, parce que tout le monde n'a pas la chance de connaître Souava. Ils n'ont qu'à passer. Il y a le projet de réinventer Ganvier que le gouvernement est en train de faire pour Souava. Donc vraiment, c'est aussi le lieu de remercier le gouvernement pour tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, Ganvier change de visage. Et demain, Ganvier sera comme la Félice de l'Afrique. Donc pour tous ceux qui sont les sérieux, je leur demande, pendant les vacances, de faire le projet de venir découvrir les délices cachées sur l'eau. Et sous l'eau. Venir à Ganvier, c'est venir donner à manger aux yeux. Pour cela, j'invite tout le monde, tous ceux-là qui n'ont jamais visité Souava, de prendre pas Ganvier. Vous arrivez à l'embarcadère de d'Abome Kalavi, vous avez les éléments qui vont vous accueillir favorablement. Et la sécurité est garantie, il n'y a pas de problème pour visiter Ganvier. Terre chaleureuse, la commune de Souava regorge de belles surprises. Conformément à sa tradition d'accueil et au regard de ses ressources touristiques, aussi bien que naturelles que socio-culturelles, elle a toujours été une commune ouverte au tourisme. Elle recette d'attraits touristiques, naturels, riches, variés et particuliers.
Cet immense patrimoine présente des spécificités enrichissantes. Avec ses multiples dimensions, le tourisme béninois est un secteur aux potentialités encore faiblement exploitées. Voilà pourquoi près de 600 milliards d'investissements sont prévus pour le renforcement de l'horizon 2027. De même, des dispositions légales sont mises en place pour faciliter la mise en œuvre de projets touristiques. Les actions déjà engagées et celles à venir portent notamment sur les aspects balnéaires avec ses 125 km de côte mémorielle, avec son histoire riche et culturelle avec le vaudou, ce qui fait du Bénin le cinquième pays le plus visité en Afrique de l'Ouest. Votre magazine, Le Bénin vu de Souava, s'achève ici et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre aventure.